Dans ces trois mesures d'interprétation, sur l'effondrement de l'Euphrate, l'assèchement des eaux de l'Euphrate, qui prépare le chemin pour que les rois venant du soleil levant arrivent. Et je vous ai montré que l'un des interprétations, c'est l'Irak, la position de l'Irak actuel. Amen. Mais vous voyez, à ce niveau, lorsque ces choses arrivent et que les eaux de l'Euphrate tarissent, alors c'est au même moment que une nouvelle trinité sort d'une ancienne trinité. Et Frère Branham dit que la vieille trinité est la bête, le dragon et le faux prophète. Donc Jean a vu, sortant de la gueule du dragon, de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Or, la grenouille est un esprit qui ne regarde que, ou un animal qui ne regarde que vers le passé. Et pourquoi ces grenouilles vont vers les rois de la terre pour les séduire? Ils font des prodiges. Frère Lewis, qu'est-ce que ces grenouilles-là vont aller dire chez le roi de la terre? Dans leur discours, il y a quoi d'important pour que le roi de la terre se lève ou que tous y courent vers la vallée de Megiddo? Mais qu'est-ce que les grenouilles? Ça veut dire que les grenouilles-là avaient éveillé quelque chose qui se trouvait en sommeil dans ces rois-là. Les grenouilles, ils connaissent le passé commun de ces rois. Il s'agit du règne papal. Or, lorsque le frère Tari suivait, ils s'en aperçoivent que les rois du soleil levant s'élèvent. Il se lève militairement. Économiquement, il se lève. Ils sont aujourd'hui plus présents en Afrique que même les Américains. Je parle là des Chinois. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ils sont, vous avez vu le problème de Huawei. Avec, en fait, c'est un grand conflit. Parce que Huawei est en train de rivaliser iPhone. Et comment la technologie chinoise est en train de battre en plein. Et bientôt, ils s'installent en Europe. Et aujourd'hui, on parle de la nouvelle voie de la soie, la route de la soie. Amen. Et les gens sont en train de regarder, mais il y a des sentinelles sur la tour. Et lorsque les trois esprits sortent de la bouche de cette trinité, ils vont chez Donald Trump. Faites avec moi. Ils vont en Angleterre. Ils vont, en France. Il dit, Macron, tu dois te réveiller. Alléluia. Ils vont en Espagne. Ils commencent à parler à ces rois. Vous les ramenez dans le passé, à l'époque médiévale. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant cette période médiévale, l'avancée de l'islam était tellement comme un vent impétueux, comme des sauterelles qui avançaient selon la prophétie. Et la seule façon de contrer l'expansion islamique lors le 10e jour du concile de Clermont, précisément le 21 décembre 1095, le pape français Urbain II
déclenche ce qu'on appelle la première croisade. Les croisades, les huit croisades étaient des guerres idéologiques, des guerres politico-économiques qui opposaient l'islam et le christianisme. Amen. Donc, frère, maintenant, quand tu dis nous allons repartir dans le passé pour voir ces différentes guerres. Alléluia. Donc, les papes étaient obligés de lancer des appels à toute la chrétienté de prendre les armes. Et d'ailleurs, il disait que tes péchés d'avant sont déjà pardonnés. Tu peux tuer un musulman, Dieu te pardonne déjà. Et les riches abandonnaient leurs richesses parce qu'il fallait rentrer dans l'armée de Dieu, appelée les Templiers. Donc lorsque Frère Banam dans le saut parle, voyez-vous, vous les Templiers, le signe de la croix, que Boris Mbote ne comprend absolument rien, il commence à dire non, Frère Banam est avec les francs-maçons. Ça c'est l'idiot aussi. Donc c'est ainsi pour montrer que cette trinité, la nouvelle, va donner des informations à ces rois. Et ces rois de toute la terre, ils ont un passé commun l'un à l'autre. Alors, ces trois esprits impurs vont remettre sur le terrain de l'Apocalypse les trois symboles du monothéisme, c'est-à-dire réunissons sur la même plateforme l'étoile de David, symbolisée, qui symbolise le judaïsme, la croix qui est le christianisme, le croissant fertile. Non. La lune à moitié. Qui est le symbole de l'islam. Et ces guerres d'autrefois avaient deux points stratégiques. C'était le contrôle de la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Et de l'autre côté, Constantinople. Voilà pourquoi à la septième coupe, la Bible dit que et la grande ville fut séparée en trois. Vous voyez que c'est sérieux. Et les fils de Dieu sont là. Mais je vous dis qu'il a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Ma prière, c'est que ce que je dis, que cela éveille la conscience des gens, que cela éveille la conscience des fils de Dieu, de comprendre que aujourd'hui le diable a bâti des stratégies les plus dangereuses qui puissent exister. J'ai des projets ici de la NASA. Comment les scientifiques créent des maladies? Le sida, le VIH a été créé en RDC. Répandu à partir d'une campagne de vaccination. Ebola, c'est pour eux. C'est pour exterminer la couche africaine. Ce qu'ils appellent les indésirables. Pendant ce temps que les hommes, les maîtres de ce monde réfléchissent sous l'influence de Satan, quelle est la position de l'Église?